Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur FIFA 16 autour de joueurs qu'on aime beaucoup, ceux qui n'ont connu qu'un seul club ou presque dans leur carrière, comme Maldini, comme Totti, Gérard et encore d'autres. Donc il n'y a plus qu'à tester tout ça, c'est parti. Donc voilà, à la fois j'avais fait l'équipe des traîtres, avec les fameux traîtres, on les connaît comme Ibra Inter et le Milan, comme Sana qui a fait Marseille Paris. Donc là j'ai fait à l'inverse l'équipe des fidèles. Donc voilà, Buffon dans les buts. C'est entre Buffon et Casillas, j'ai mis Casillas sur le banc, mais là j'ai mis Buffon parce que forcément il a l'hyperlink avec Maldini et Baresi, qui eux, voilà quoi, ils ont passé leur vie au Milan AC. C'est là-bas, ça fait comme une putain de charnière. À droite, donc Javier Zanetti, on le sait, l'éternel, la légende, l'homme qui vieillit pas. Il a toujours la même gueule depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Gary Neville a connu que Manchester United, donc on est obligé de le mettre, quand même Gary Neville c'est fort. C'est rare maintenant de faire toute une carrière dans un seul et même club. De Rossi, la Romain, puis lui il y est toujours, donc voilà. Daniele De Rossi, je pense qu'il mérite d'être dans le 11. Steven Gerrard, bon on le sait, hein, Liverpool. Voilà, son club de cœur, on lui pardonne qu'il parte à l'AC Rien, il finit sa carrière aux États-Unis. Ça, moi, j'accepte. C'est pas comme s'il était parti dans un autre club anglais. Donc, je pense que Gérard, ça représente vraiment ce genre de joueurs qui sont fidèles, justement. Iniesta, c'est la même chose. Iniesta, Messi. Ils ont pas encore fini leur carrière, mais bon, j'ai l'impression qu'ils feront toute leur carrière, quasiment tout, dans ce même club. Quel Barça, et puis ils y sont bien, donc ils auraient tort de partir. Francesco Totti. Ah, pour ceux qui vont à Rome, tu vas à Rome, tu vas dans une pizzeria, t'as des tableaux de Totti partout. Moi, quand j'y suis allé, t'as des tableaux de Totti, mais partout. C'est un dieu, le gars là-bas, c'est ouf. Donc voilà, Totti, t'es obligé de le mettre en pointe, une légende. C'est la base. Et puis, Ryan Giggs. Ryan Giggs, pareil, Manchester United, l'ailier, on le sait. Hein. Giggs, c'est Giggs, quoi, y a pas grand chose d'autre à dire. Et puis, vite fait sur le banc, j'ai mis Terry. Normal, Chelsea. Lui aussi quelqu'un de fidèle, Perrin, Saint-Etienne, hein, lui c'est la même. Lampard, même s'il a fait City, bon, je l'ai mis parce qu'il est quand même resté très très longtemps à Chelsea. Même s'il allait à City, il a un petit peu tout niqué, j'ai trouvé. C'est un peu dommage, mais je l'ai quand même mis. Parce que voilà, c'est pas un gars qui a fait 12 000 clubs non plus. Sergio Ramos, voilà, Real, normal, Captain Ramos. Romain Danzé, que je connais, qui est très très cool d'ailleurs. Donc j'en profite pour lui passer le bonjour. Et donc, Danzé, pareil. Hein. Malheureusement, il joue à Rennes. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas être parfait. Hein. Et donc, voilà, lui, il a toujours connu que Rennes. Donc c'est fort. Surtout en Ligue 1, il y en a quand même très peu qui restent toute leur vie dans un club. Donc c'est fort. Schweinsteiger, qui est resté très très longtemps au Bayern. Rooney, qui avait fait Everton. Maintenant, Manchester, il est depuis beaucoup beaucoup de temps. Di Natale, pareil, Udinese, ça fait très très longtemps. Fletcher, qui est resté énormément de temps à United, bon, qui est parti il y a quelques temps à West Bromwich, mais qui a fait quasiment toute sa carrière à United. Et puis Casillas, normal. Hein. L'éternel aussi du Real, qui est parti à Porto récemment. J'ai mis Arsène Wenger, entraîneur, je pense que c'est l'entraîneur le plus fidèle qu'il y a dans le jeu. J'ai mis Arsène. Et puis voilà, si vous avez des idées des joueurs que j'aurais oubliés, je vous écoute les gars. Pirlo, non les gars, Pirlo il a fait Inter, il a fait Milan, il a fait Juve. Il est resté longtemps à Milan, mais il a fait 3 clubs italiens, je trouve que c'est dur. Ah bah ouais, Pelé, putain, mais j'avoue, Pelé en plus ça m'arrange. Santos quand même, 605 matchs, il a fait 2 clubs, moi je suis d'accord. En plus ça me va très bien, Pelé à un moment pour remplacer Totti pendant mes matchs, moi ça me va. Ouais l'âme, c'est vrai. Ouais, bon alors les gars, je pourrais pas mettre tout le monde. Donc là, je pense que voilà, la liste est pas mal. Busquets, les gars, c'était pour pas mettre tout le Barça. On sait que l'heure du Barça en général sont fidèles. Mais Müller, on verra un peu avec le temps. Reus aussi, on verra avec le temps. Je pense que ces joueurs-là, c'est ceux qui ont le plus d'années ou pas loin. Ouais, Carrick, ça pourrait aussi. Bon, on va partir avec ce 11. C'est mon 11 de boss, celui qui a centre collectif. Franchement, il est pas mal le 11. Eh, en plus, il me reste 2 matchs. Il faut que je gagne un des deux, les gars. Bah, je vais faire les 2 matchs là. L'objectif, c'est de remporter le titre avec cette équipe alors. Faut juste une victoire. En tout cas, il y a beaucoup de légendes. C'est là que tu te rends compte quand même, les joueurs à l'ancienne, ils étaient quand même plus fidèles. Il y en a, c'est... Voilà, maintenant c'est de plus en plus rare ce genre de joueurs.
Bon, en tout cas, j'aurais pu tomber sur une équipe pire. Mais en général, moi, ça m'inquiète quand je joue contre des gars comme ça qui sont en D1. Bon, il a Ibrahim Ossé et tout. Bouffal, c'est une équipe, c'est très intelligent ce qu'il a fait. Et en général, ceux qui n'ont pas des équipes de port comme ça, ils sont forts. Allez, on l'a vu. Oh oui, allez Ryan. Oh là là, comme à l'ancienne. On fait l'arrogant ou pas? On l'a emmené, oh là là, Ryan. Sur son côté gauche. Ça punit, bordel. Oh là là, Geeks, qu'est-ce qu'il était fort, Geeks aussi. Geeks, c'est dommage qu'il n'y ait pas Skull aussi en légende. Moi, je kifferais Skull avec sa frappe de mule et tout. Il était kiffant, Skull. Ah, je crois que je vais me régaler avec cette équipe quand même. Bah, déjà, d'une, les joueurs ils sont kiffants. Et puis, vu qu'il y a le collectif et tout. C'est pas une équipe à thème où t'as zéro collectif, quoi. Donc, voilà, quoi. Oh, puis si même Francesco il retrouve sa jeunesse. Oh là là, Francesco. Super, magnifique. Oh là là, Ryan pour. Non, je voulais la mettre à Totti, je voulais faire croquer Francesco. Eh, c'est Maldini, respecte-le. Y'a rien, y'a pas faute. Oh Steven, oh Steven, oh Steven. Enchaîne Iniesta. Mais pourquoi il a pas voulu tirer? Moi bon, t'es pas sérieux Iniesta. Ah ça serait moche putain. Putain là c'est un miracle. Honnêtement ça serait moche que j'ai tout dominé. Oh là là. Oh là là. Mais Léo, on l'a fait la même, on l'a emmené d'un côté et biche le premier poteau la spéciale. Alors non, fuge, j'ai pas mis Chiellini. C'est vrai, bah y a les joueurs de la Juve, ouais, Chiellini. Totti, il est pas dégueulasse encore dans le jeu, hein, franchement. T'as Gérard, j'ai envie de mettre une mine. Si j'arrive à me retourner une fois, lui, je vais tenter une mine. Genre là, là. Oh là là, oh, je la voyais dedans. Ah ouais, Carlos, c'est vrai qu'il est resté il est resté longtemps, Carlos, à Madrid aussi. Ouais, Carlos. Bon, comment ça a passé? Il a même pas voulu la passer à lui, quoi. Tiens, reste là, toi. Hey, Ibra, c'est des légendes en face de toi. Réveille-toi. Pff, c'est Maldini. Putain, il s'en bat les reins que ce soit Maldini, Ibra. Putain. C'est pas mérité. Je la prends 15 fois. Ah ouais, Reloum, Roy Keane, ouais, Roy Keane. Vas-y, je vais mettre Rooney en MOC à la place d'Iniesta. Oulala, oulala. Ou l'enchaînement, c'est De Rossi. Daniele, en plus j'ai failli le sortir. Oh là là, et Rooney, le coaching payant, vous avez kiffé direct la petite passe D, décisif. Ah, il a bien enchaîné De Rossi, mais il se projette beaucoup vers l'avant. Il est pas mal De Rossi aussi, j'aime bien. Oh là là, oh là là, on est obligé d'enchaîner. Oh là là. Oh, la petite roulette. La petite enroulée. Putain, l'équipe elle est violente. J'ai voulu leur faire la même. Eh, ça quitte ou pas? Non, elle va pas quitter quand même. Laisse-moi tester mon équipe. Quitte pas. Ah, t'es relou. Premier match. Bon, bah ça aurait été rapide. En plus, on gagne le titre. Ouais, vas-y, on va partir sur ça. Comme ça, il y a encore pas mal de cohésion. Et on a pas mal. On a fait quelques changements. Puis je pense que je ferai rentrer Lam. Je ferai rentrer Schweinsteiger et peut-être Rooney ou Terry, histoire d'eux quoi. Ouf, t'as lui, il a une équipe pas mal. Bon, il n'y a pas de Ronaldo ou quoi, mais bon, il y a le Griezmann, il y a le Kono, enfin, il a des joueurs un peu cheatés. Et sinon, vous, les gars, parmi tous ces joueurs-là, c'est lequel qui vous a le plus marqué? Bon, après, je pense que c'est une histoire aussi de génération. Je pense que des gars comme Javier Zanetti, Gérard, même des Totti et tout, vu que soit ils jouent toujours, soit ils ont arrêté il n'y a pas longtemps, voilà, ça nous parle direct. Bon, après, Maldini, je pense que c'est universel aussi, par exemple, Pelé, bon, bah... Ça parle peut-être moins, parce que bon, c'est un peu plus ancien. Iniesta, Maldini, Zanetti, ouais, Maldini, Gérard, ouais, voilà, c'est à peu près ça, je pense. Moi, plus Iniesta, ouais, mais Iniesta, il a... lui, ça va être extraordinaire, de toute façon. Bah, ça va être toute sa carrière au Barça, mais je veux dire, un Gérard ou quoi, c'est plus âgé, c'est ça. Moi, je pense Gérard, ça résume bien le truc. Maldini aussi, ça parle à tout le monde. Iniesta, Messi, bah, ça va être là. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est tout pris. Oh, Steven, oh, dommage. Ah, il y a hors-jeu, je crois. Bah ouais, putain. Le coup franc Geeks contre Lille. Moi aussi, il y a Scholes, ça serait pas mal, Scholes. Moi, Scholes, je me rappelle de son but. Je sais pas, ce but-là, il m'avait marqué. Ouais, contre le Barça, je crois, ils font 0-0 à l'aller, Manchester. C'était en demi de Ligue des Champions.
Ronaldo, il avait même raté un pénalty à l'aller et au retour, je crois, il gagne 1-0. C'est Scholes, il met une frappe de 30 mètres pleine lucarne au Camp Nou. Oh là là, Geeks. Il est vraiment pas mal, Geeks. J'accroche bien, il est agile de fou. T'as vraiment l'impression de revoir le Geeks à l'ancienne, quoi. Insaisissable, ben là, il y a faute par contre. Parmi ce genre de joueurs, ceux les fidèles, moi Puyol, genre, j'en rêve. Puyol, moi c'est un des défenseurs que j'ai préféré avec Maldini de cette génération. Là, il y a Nesta aussi, les gars, on n'a pas parlé de Nesta. Bon, il a fait. Il n'est pas allé, il n'est pas resté qu'au Milan AC, mais Nesta aussi, limite, on aurait pu le mettre dans cette équipe sans souci. Quand même fait beaucoup de temps au Milan. Oh, le Gérard. Oh, je crois qu'il rentrait. Oh, et McKen. Oh, je me suis fait défoncer, c'est pas mérité, putain. Ouais, Zidorf, il est plus dans le jeu, Xavi, ouais, j'avoue. Bah ouais, voilà, c'est le genre de joueur, Xavi, Zidorf, vous aurez mis cash. Buffon, bah il est déjà dedans, hein, Buffon. Ouais, Gattuso, mais Gattuso, lui, il y est en légende. Ronaldo, le Brésilien. Non, mais Ronaldo, les gars, il a fait 12 000 clubs. Il a fait Inter, Milan, il a fait Real, Barça, tu peux pas le mettre dans les fidèles. Il a fait les ennemis de chaque club où il a été, quasiment. Oh, je suis mort. Putain, mais je défends mal. Putain, merci. Merci, Casillas. Ça nique. Waouh, putain, ma défense, elle est à la rue. Ah, je prendrai que le premier match, les gars. Ni vu ni connu. J'avoue, ça sera la saucisse. La remontada. Mais non, mais me balaye. Attends, j'ai l'impression qu'il m'a fait deux profondeurs dans le match. Bah ouais, c'est ça, deux tirs de but, j'ai 68% de possession. Bon, on va faire quelque chose, bon, on va mettre Chouaini. Vas-y, je vais mettre Rooney au milieu. Non mais si Iniesta, il arrive pas à faire une passe comme ça, faut tout arrêter aussi, quoi. C'est le rééquilibrage. Allez, allez Rooney. Putain. C'est qui ça? C'est Chouaini. Allez, Chouaini, on tente. C'est pas beau ça les mecs? Bah oui, Chouaini on tente, ça sera le coaching. Oh, cette frappe de ouf, c'est du Chouaini quoi. Oh là là, un petit peu de l'extérieur, elle est magnifique. J'avoue, le peu que je tire de loin, souvent je mets des bonnes frappes en plus, mais je tire trop, je tire pas assez, je le reconnais. Non. Putain, c'est son joueur le plus petit qui l'a reprendre la tête quoi. Oh là là, ça passe, allez. Oh là là. Oh là là, allez! Non! Putain, Iniesta, pareil, là, il a tout fait. J'aurais peut-être dû enchaîner. Mais voilà! Mais si pour Pelé, les deux légendes. Bon, bon, on va essayer d'aller chercher la victoire maintenant. Il y a peut-être moyen à la remontada, les gars. Ça, c'est moins bien. Putain, Casillas, il me fait son match. Hein. Franchement, il me fait son match. Oh, j'ai un putain de compte, là. Prends-la, prends-la. Allez! Putain, c'est Chouaini, c'est la charrette. Non, putain. Ouais, il y a grave moyen d'aller chercher la win là. Super. Allez, Chouaini pour le doublé. C'est toi Chouaini le patron. Ah, c'est vrai, lui, il a fait toute la diff, il est rentré, il a mis une frappe de 25-30 mètres. Le petit but, Iniesta, bon, il aurait fait le taf aussi au niveau des passes, quand même. Ce sera Chouaini. Putain, au dernier moment, c'est parfait, ça. Ça me plaît. Mais franchement, c'est mérité, parce que sur le match, le game a mis des profondeurs en première mi-temps, mais je méritais. Je méritais. Après, il attaquait pas mal, il était relou à défendre, quand même. Mais en tout cas, les deux équipes, j'ai kiffé. Bon, la première était meilleure avec laquelle j'ai joué, le premier 11. Mais même la deuxième, il y a quand même y a des possibilités, quoi. Bon, derrière, c'était un peu moins costaud, mais devant, c'est n'importe quoi. Et même les anciens, Schweinsteiger, Gérard et tout, c'est pas mal, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé jouer avec tous ces joueurs-là. Bah, forcément, c'est des joueurs qu'on aime beaucoup. Et puis, en plus, il y a eu la petite remontada à la fin qui va bien. Donc, c'était plutôt cool. Bon, allez, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!